plateau de l'Aubrac, 7h du matin. Vincent Marc, technicien à la Fédération de chasse de l'Aveyron, essaie de repérer des cerfs à la lisière des forêts. 2 heures plus tard, Marc n'a pas vu un cerf vidé. C'est pas évident, on est fin du brame, donc les animaux ont fini plus ou moins de se reproduire. En quelques semaines, Marc a pourtant observé des cerfs, il les a filmés et photographiés. Le brame a commencé vers le 15 septembre. Alors les cerfs, ils brament pour tenir leur biche, parce que justement, il faut qu'ils gardent leur biche pour se reproduire, parce que les biches ont un cycle de chaleur qui est assez court. Donc ils brament pour les tenir, et pour essayer aussi d'effrayer d'autres cerfs qui viendraient essayer de leur piquer leur biche en fait. Cet événement intéresse de plus en plus de curieux, une plaie pour les responsables du parc naturel régional de l'Aubrac. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a pas mal de personnes qui viennent avec des groupes conséquents, qui sortent des chemins, qui vont dans les forêts, qui dérangent les mâles qui sont en train de bramer. Le suivi du brame permet de connaître les hardes de cervidés, une action menée entre autres par la Fédération départementale de chasse qui gère les populations. Le rôle des chasseurs, c'est de maintenir ces populations dans un état qui est convenable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y ait un équilibre agricole, par rapport aux forestiers aussi, et par rapport aux chasseurs notamment aussi. Donc c'est les chasseurs, en partie, qui font la gestion de ces populations-là. Actuellement, entre 250 et 300 cerfs seraient présents sur l'Aubrac.